Alléluia, alléluia. Soyez encore bénis chez vous. Et je vous salue toujours dans le nom puissant du Dieu de Papa Florian. Chers enfants de Dieu, peuple de la diaspora, peuple du chemin du ciel, restez toujours connectés parce que nous avons de bonnes nouvelles pour vous ici. Et pour poursuivre à ce que viennent de dire les frères Adoupegui et Fulgence, je veux parler de la cérémonie des oranges du samedi 9 septembre 2017. À cet effet, Dieu de Papa Florian décide à ce que chacun de nous ait déjà un sang de Jésus ou qu'il vienne avec son sang de Jésus. S'il ne l'a pas, il achète sur place. Et ensuite, nous donnerons ici même les jus d'orange à chacun des enfants, ceux qui sont ici. Et pour ceux qui sont de la diaspora, ils devront acheter un jus que vous voyez ici, que vous avez à l'écran. Et chacun a droit aussi à un lait. C'est une cérémonie qui se déroule en trois parties. D'abord, pour le sang de Jésus, nous ferons une prière de combat où nous demanderons au Dieu de Papa Florian d'exterminer tous ceux qui nous en veulent. C'est-à-dire, tu prends ta bouteille, tu ouvres, tu mets ton doigt dedans et tu demandes à Dieu de Papa Florian d'achever tes ennemis. Et pour l'orange, tu demandes à Dieu ton vœu, ton désir. Et enfin, pour le lait, tu dis merci à Dieu de t'avoir exaucé. Donc, ce jour-là, chacun vient, le carton de jus d'orange, il est offert gracieusement par le Dieu de Papa Florian à tous ceux qui sont ici. Et ceux qui sont de la diaspora sont priés de s'en procurer. Également, ceux qui sont de la diaspora qui n'ont pas encore le sang de Jésus, ils pourront appeler le frère Adoupegui pour qu'il puisse faire la bénédiction avec Papa Florian avant la cérémonie du 9 septembre. Et pour le lait aussi, vous connaissez déjà comment ça se passe. Donc, à chacun son sang de Jésus, à chacun son carton d'orange et à chacun son lait. Tout cela pour dire merci au Dieu de Papa Florian parce qu'il aura combattu pour nous. Déjà, avant cette cérémonie, nous sommes restés connectés dans la purification. Nous avons déjà commencé à demander à Dieu de nous nettoyer. Et si tu as demandé à ce Dieu-là de te nettoyer, ce samedi 9 septembre, tu devras demander à Dieu d'achever ce qu'il a commencé. Chacun de nous connaît son problème, chacun de nous connaît ses ennemis. Et enfin, tu prends ton orange, tu lui demandes ton vœu. Et après, tu lui dis merci parce que tu crois qu'il a déjà fait. Car ce Dieu-là est puissant. Pour revenir aussi au fait que le Dieu de Papa Florian nous a déjà exaucé, nous voyons déjà les puissances qui se déroulent ici. Quand tout est impossible, ce Dieu-là nous dit que c'est possible. C'est en cela que samedi dernier, nous avons vu la puissance du Dieu de Papa Florian pour la guérison de la dame qui a le problème de peau au cou. Son problème est tellement délicat qu'elle n'a pas trouvé solution partout. Même les marabouts, les féticheurs du Burkina jusqu'à Abidjan lui ont dit que ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas avoir la guérison. Mais le Dieu de Papa Florian a fait. Mets ta confiance en ce Dieu-là, crois en lui et par ta foi tu seras sauvé. C'est par cette même foi que nous faisons cette cérémonie des oranges du samedi 9 septembre. Donc que chacun soit disposé afin qu'il voit la gloire du Dieu de Papa Florian. Soyez bénis chez vous, peuple de la diaspora, peuple d'ici, enfants du chemin du ciel. Je vous remercie de votre attention.